Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve après une pause estivale pour le tirage prédictif de la semaine du 14 au 20 août. Tirage qui inclut la nouvelle lune en Lion du 16 août également pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais commencer par regarder les énergies du mois avec l'oracle de la sorcière verte. On a le courage et le nettoyage qui sont sortis. La purification avec le citron et le thym. Très intéressant. Donc le courage de se libérer de quelque chose. On a une Vénus rétrograde au sextile de votre signe qui est une invitation à comprendre des choses, à faire face à ses peurs peut-être par rapport à l'amour, l'amour que l'on se porte, comment on aime l'autre. Il y a quelque chose qui est quand même très fort et très marqué dans cette énergie-là avec la nouvelle lune qui est conjointe à tout ça. Il y a un gros... il y a un amas là en fait, alors de trois planètes, deux luminaires et une planète Vénus et un point fictif, la lune moyenne, la lune noire moyenne. On a quelque chose de fort sur... une régénération, un nouveau cycle d'expérience à la lumière de ce qu'on a à comprendre sur l'amour. Alors ça peut être l'estime de soi, comment on s'accepte avec ce que l'on aime le moins chez soi, comment on accepte d'être dans son émotion, dans sa sensibilité aussi. Hein. Très important ça, quelque chose à libérer, à apaiser, à purifier, à nettoyer. Je pense que la semaine va être forte sur tous ces domaines-là. Ça peut être en soi, ça peut être aussi vis-à-vis de l'être aimé, l'être qu'on a du mal à se sortir de la tête. S'il n'y a pas... il peut arriver qu'il n'y ait pas réciprocité dans les sentiments. Il y a quelque chose qui se purifie, qui se recentre sur soi. Le courage, on dit le courage d'être soi-même en fait. Et le courage de trouver son équilibre par soi-même et pas au travers de l'autre. Hein. Très important. On va voir quel message du tarot pour vous les Gémeaux. Vous prenez bien entendu si ça résonne par rapport à votre situation, hein, évidemment. Alors celle-là, elle me parle, elle veut venir, celle-là aussi. Allez, on y va. Quels sont les messages ? On a ici un cavalier de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle d'impulsion pour avancer aussi avec un soleil qui nous remplit de courage, hein, qui vous remplit les Gémeaux de courage, le fou pour se réaliser. Très bien, très bien. Il y a quelque chose. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a un carré. Il y a un carré d'Uranus justement à Vénus qui pose la question. Mais en même temps, en ayant le courage de faire face, le carré, c'est pas un élément bloquant a priori. C'est une énergie de tension, de confrontation, de résistance quelque part. Mais vous avez aussi votre force intérieure dans votre harmonie avec l'énergie de la balance, dans votre harmonie intérieure, pas à vos dépens, avec un nœud sud en balance justement qui invite à se départir du besoin de trouver l'harmonie à l'extérieur de soi ou d'être en concorde avec l'autre. Donc à partir du moment où on va... regardez ce qui frotte, ce qui empêche, ce qui nous empêche d'aller vers l'expression libre, libérée de soi. Voyez, ça c'est le fou. Vous y allez vers ça. Vous y allez avec cette énergie de motivation, de passion, d'intensité. Que nous dit le tarot en terminant ? Reine de coupe avec beaucoup d'amour pour soi. Voyez, il y a une volonté, une impulsion pour s'aimer, pour prendre soin de soi. On est complètement dans ces énergies de nouvelle lune. Oui, une énergie de guérison, d'accord ? Une énergie de guérison du cœur, c'est ce qui est en train de se jouer là sur ce cycle, sur cette semaine avec la nouvelle lune en Lion. On va prendre le message de la lune, message personnalisé. Allez, pour les personnes qui ont le soleil en Gémeaux, l'ascendant en Gémeaux. La lune en Gémeaux. Oui, vous êtes nombreux à terminer des cycles difficiles. Hein. C'est une carte qui est souvent sortie. Un cycle dur et difficile touche à son terme. Hein. D'accord ? Le pire est derrière vous. Ayez confiance en l'avenir. Les choses vont se débloquer. Ça, c'est en particulier, mais pas exclusivement pour les soleils en Gémeaux.
Ascendant Gémeaux, la chance est de votre côté. Très bien. Très très bien. Vous allez avoir des possibilités d'avancer très nettement. De l'aide vient vers vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi. J'ai un signe d'eau ici qui vient vous aider. Un cancer, un scorpion, un poisson, une énergie féminine, mais pas uniquement. Ça peut être un homme aussi qui vient vous soutenir. Vous soutenir dans son envie de vous guérir quelque part. Peut-être c'est un thérapeute qui vient vous apporter une énergie, une guérison énergétique pour vous aider à guérir sur votre intériorité. Alors ça me parle ici pour les personnes qui ont quelque chose à libérer. Après, peut-être que vous êtes sur une autre dynamique hein, aussi, j'ai pas que ça. Mais effectivement, certains traversent une période lourde et difficile. Le message est pour ces personnes-là. Lune en Gémeaux maintenant. Ah, c'est intense. Mais il y a de la passion qui arrive aussi. Hein. J'ai des gens qui vont avoir une rencontre. Il y a quelque chose là sur le plan romantique, sur le plan de l'envie, peut-être aussi de la créativité, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'action. Une action qui est aussi ancrée sur le concret, avec un Mars qui est en Vierge, qui apporte des idées et une énergie concrète, tangible, pratique pour avancer. Donc il y a des choses à faire, à mettre en place de façon très concrète pour avancer. Il y a de l'intensité qui est en train de se construire. Je vais regarder avec le tirage prédictif quotidien comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 14. On a un voyage qui permet de se recentrer sur soi, de prendre de la hauteur. Ça peut être un voyage mental, ça peut aussi être un voyage physique hein, qui permet de se recentrer vraiment, de trouver son centre. Saturne rétrograde en poisson qui est esselé là sur cette nouvelle lune, hein, mais qui est là quand même, qui fait encore son job. Hein. À voir comment Saturne vient résonner dans votre thème de naissance. En tout cas, ici, on a cette élévation, cette prise de conscience également, que l'important, c'est de vous aimer, vous. Il y a quelque chose qui est dans cette veine-là. Très bien. On bouge aussi par rapport à des problèmes administratifs. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement, une avancée. On prend du recul par rapport à une difficulté administrative qui va se régler de toute façon. Mardi 15, on se protège. Ok, grâce à la transformation, il y a une transformation qui est salvatrice, les choses qui sont en train de bouger. Je vous disais, ce nettoyage, hein, il n'est pas là par hasard, il y a un nettoyage en particulier sur le mental, avec le signe des Gémeaux, quelque chose qui se libère sur l'intellect, d'accord? Mercure est en domicile également dans le signe de la Vierge. Il y prend une couleur un peu différente de quand il est dans votre signe. Et on a cette idée de trouver l'impulsion pour aller vers quelque chose de tangible, avec des résultats concrets. Protection, c'est-à-dire je me transforme pour être bien, pour me sentir plus en sécurité avec moi-même. Et la sécurité, c'est vous qui la trouvez, d'accord ? C'est pas l'extérieur. Là, c'est le meilleur moyen d'être en dépendance, en fait, d'attendre que la sécurisation vienne de l'extérieur. On a quelque chose qui est en soi, avec une grande prise de courage, quelque chose de fort, vraiment une belle transformation. La lune en lion aussi, hein, ici, qui permet au sextile de votre signe, en plus, qui vous permet d'avoir le courage hein, d'oser opérer ce changement. Alors, sur la nouvelle lune, quel est le message? La chance dans la maison, construction de son intériorité, ou dans le domicile, vous trouvez un domicile, vous trouvez un logement, c'est possible. Une possibilité aussi de faire avancer des choses par rapport aux travaux de la maison, quelque chose qui est en lien avec voilà, la maison concrète, l'entreprise pour certains. Pour d'autres, ça va être aussi cette intériorité très connectée à la maison 4. Hein. Donc, vos fondations, vos racines,
tout ce qui est en train de grandir en vous, peut-être vous-même, hein, vous êtes en train de renaître à vous-même, hein, cette gestation, qu'elle soit physique ou créative, en plus dans une énergie de nouvelle lune en lion, très portée sur tout ce qui est créatif, vous êtes très soutenu de la chance. Donc allez-y si vous avez des projets à lancer sur votre intériorité, sur votre domicile, sur de la créativité, c'est le moment de le faire. Hein. On ouvre un cycle de 6 mois avec cette nouvelle lune en lion qui va venir s'exprimer pleinement sur la pleine lune en lion qui aura lieu en 2025. On continue avec le jeudi 17. Alors, ici, en pierre centrale, en clé de voûte, vous avez l'examen de ce qui bloque. Voyez, vous regardez avec sincérité, avec honnêteté et courage, ce qui est bloquant dans votre vie, ce que vous sentez qui est un frein actuellement à votre vie, et vous allez pouvoir sentir les choses avec sincérité, avec force, avec courage. C'est vraiment très, très important pour vous parce que ça va vous donner une grande puissance pour avancer. J'ai l'impression aussi que ça va vous motiver, hein, le fait de percevoir les choses, il y a comme une compréhension qui se fait un peu dans le ventre. Moi, j'ai quelque chose qui est très, très dans l'abdomen, qui va être ressenti peut-être dans le ventre. C'est là que ça me parle. À voir comment ça vient vous parler, à vous. Vous me direz dans les commentaires. Vendredi 18, alors... Alors ici, j'ai une relation particulière avec quelqu'un qui est proche de vous, un ami, quelqu'un que vous considérez comme un appui, quelqu'un qui est fidèle, hein, qui se sent un petit peu bloqué peut-être actuellement. Vous allez l'aider, cette personne. Hein. J'ai le sentiment qu'elle pourrait vous appeler à l'aide, hein, parce qu'elle se sent bloquée. Après, ça peut être vous aussi qui vous sentez bloqué par un ami, c'est possible, par un conflit de loyauté. À voir, on est quand même sur des énergies de nœud sud en balance, j'en ai parlé, donc effectivement, il y a quelque chose peut-être à renégocier vis-à-vis de cette personne. Ça peut être aussi l'idée d'une personne autour de vous qui vous enferme dans un schéma, qui vous a rentré dans une case de laquelle vous ne pouvez pas sortir. Donc il y a du potentiel de libération, mais ça demande de prendre appui sur quelque chose de ferme pour sortir de ça. Sur le week-end. Attendez, et puis là, on a une lune en vierge aussi qui vous demande de vous apaiser, de ne pas tomber dans une anxiété mentale, mais au contraire, de regarder les choses avec discernement, clarté. D'accord ? Samedi 19, alors, une réunion qui fait grand bruit. Donc peut-être une réunion officielle pour le travail, pour en famille, une réunion associative, un rassemblement dont vous avez envie de parler aussi. Alors ça peut être très positif, en tout cas, c'est peut-être que c'est quelque chose qui est connu sur les réseaux. Vous allez participer à une rencontre, à un festival. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le dimanche ? Alors... Ça, c'est très intéressant parce que vous comprenez des choses sur le week-end par rapport à un retard. Le retard qui est la clé. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette énergie-là de comment le retard, finalement, incarne une solution en soi. Le fait que les choses ne viennent pas à vous à un moment donné, c'est peut-être aussi le signe, et ça, c'est à voir avec beaucoup de discernement en fonction de votre situation individuelle, mais c'est peut-être aussi le signe que ce n'est pas... quelque chose n'est pas fait là, maintenant, pour vous. Ce n'est pas fait pour arriver à ce moment-là. Et que peut-être il n'est pas nécessaire de forcer, mais si j'ai vraiment des énergies de laisser faire, de laisser aller, et de comprendre en fait en quoi le retard est significatif et en quoi il constitue une solution plutôt qu'un problème. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, c'est très important, ça soutient la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc allez-y, abonnez-vous, partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un.
Et puis, je vous embrasse bien fort et bien sûr, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune, pour compléter le tirage, avoir un autre éclairage en fait sur une question que vous vous posez actuellement sur la semaine. Donc des bisous, je reviens à ça, je vous embrasse bien fort, merci pour votre présence sur la chaîne, bien entendu, un grand grand merci, merci pour vos demandes de guidance, vos gentils mails, toutes vos sollicitations, merci du fond du cœur. Encore des bisous, une belle semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.